Donc, PC Bassan de Mbote na Kombonaise. Que le Seigneur vous soit favorable. Kolo Yesu. A Pambola Moko na Moko. Tout le monde merci. Et pas en Zambé. Pour la grâce. Ouais, vu que ça la biso. Ya koyeba. Ko partager le banan Zambé na tango. Et bien, les bazu grâce au thé. Mais par la grâce de Dieu, tous les gens qui ont été en partage de se faire, ils ont été en train de se faire. Parce que nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Nous avons été en train de se faire, mais ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Yepe akolekate ndenge liloba ekolekate. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole plus que toute autre chose. Que le Seigneur soit béni. Yambona soko banda to bondeli. Seigneur Jésus, te pécho merci pour ce temps. Sois béni toi le maître de tas de circonstances. Sois béni pour ce bon moment au possible soko ben ko partager parole. Béni ce temps zala nzambe wa ko le soko ratango. Que ce temps soit béni, soit l'enseigner l'enseignement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nzambe azwa lokumu. Ça fait un bon temps, toujours le blasile cette parole de Jésus. Toyebaki nakosil ça. Toujours simba les éléments. Oyo, eza ko se passer après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Je crois l'élo. Donc aussi mbara élément moko hein, l'autre aussi mbara élément moko, mais que le Seigneur nous fasse grâce prochainement par sa grâce. En tout cas, tout ramasser ba élément nyoso écotique éthicali, tout s'il seront parce que makambo loba na Bible les ébélé, donc on va nakaka ici comme moko wanate. Mbala, tout ça na mukanda s'il vous plaît, tout ça mukanda ya Matthieu chapitre 27, verset 51, Matthieu verset 51 il est écrit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus et à vie, les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Il avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Mbaleleki tuibina kotali sa. Parmi les éléments, tout le bien qui les tremblements de la terre, tout le bien qui les tremblements de la terre, na révélation, paix na prophétie, tout le bien qui paix, ou ezala qui baroche frappé na révélation, paix na prophétie, tout le bien qui paix sur les sépulcres, ou ezo fungwama na révélation, paix na prophétie, les lots donc tout simba, éléments moko. Je crois que le loga et les mamoko, par la grâce de Dieu, ou etikali, si le Seigneur nous fera grâce, les lots aux ali, mercredi, si le Seigneur nous fera grâce, je crois, le jour et vendredi, tu vas ramasser les mamans en agnon, son balamoko, tu le beliango, enfin, tu es banako passé, na thème, sous, tu le bakitan, tu roules aussi le sahawa, et zana évangéliste, moko, tu repais sa combo nae, y est à quoi banako intervenir sur la bénédiction, Il y a Jacob, Isaac et pas Jacob, il y a côté Abisso Yango, à cause de une semaine ou deux semaines, tant que vous avez aussi lu ça, vous avez la sur la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Il y a un thème Yassika, tant que l'évangéliste, il y a une semaine ou deux semaines, tant que vous avez aussi lu ça, thème Nae, vous avez aussi lu la tête de Jean-Baptiste sur les plateaux.
Par la mesure de la grâce, n'engue le Seigneur à reprendre la biseau. Que le Seigneur soit loué. Ok. Lelo toza na événement motozo zwa tobi. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Lelo toza lobela. Voile, oezo pasuka en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi? Et pasuka kite na se, en bas jusqu'en haut. Mais voile ezako se déchiré d'en haut jusqu'en bas. Donc normalement il fallait que pasuka na bas en haut, mais ba bisi biso ke voile pasuka ki de d'en haut en bas do bando pasuka na likolo et ki titi na se que le Seigneur bénisse. Ok, yambo to lobela voile oyo. Total nan voile ango ndenge ezalaki. Ndenge oyo yango ezalaki. Ndenge Salomo asalaki yango. Là, nous sommes dans le livre des Chroniques, chapitre 3, verset 14. Donc, c'est un gaboulimbisa. Peut-être pour un retard à lecture. Parce que, Mikoloyo, nous avons besoin de Asunga. Kura penda kote na biso koto soki 2 ou 3 semaines to kende izala asute donde to te abuto abina na kati ya mulili to sala nde torch. Ah, que le Seigneur nous aide. To ebi ke un jour makambo ko silaka ta to komaka na mboka na biso kuna mulili e ko zalaka te. Que le Seigneur nous bénisse. Ta to komaka na mboka na biso mulili e ko zalaka te. Nyonso ekozalaka malam oyo tozana yango eza mboka ya bapaya. De Chronique chapitre 3 verset 14 tutangi. De Chronique 3 14 tutangi. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi et bisi oyo ezali felin, et il y représenta des chérubins. Ok, batali biso ko voile yango ndenge ezalaki. Voile yango ezali na combien de couleurs? Ezali na 4 couleurs. Voile ezalaki na 4 couleurs. Ezalaki na couleur ya pourpre, ezalaki na couleur ya cramoisi, ezalaki na couleur bleu, puis ezalaki na couleur bisi. J'aimerais to komaka felin pour la compréhension ya peuple pour son côté na dictionnaire bici ou ba komisa la yo felin. Or na felin tozomona la couleur blanche. Nous comprenons directement que le voile avait combien de couleurs? 4 couleurs. Voile ezalaki na couleur ya pourpre, ezalaki na couleur ya cramoisi, ezalaki na couleur bleue, ezalaki na couleur blanche. 4 couleurs. Sikoyo silite na likolo ya voile yango ba dessinaki ba chérubin totangi yango pour la compréhension babi, et il y représenta des chérubins. C'est pour dire que likolo ya voile wana ba dessinaki ba chérubin. Que le Seigneur nous bénisse. Ba dessinaki ba chérubin. Donc likolo bateke lelo na église na biso tokende ko dessiner ba chérubin. Ce qui m'a tourné au dessiné ba chérubin pour na nini m'a dit que je na dessiné ba chérubin pour na mona ki yango esika Moïse a dessiné ki yango nga pe na dessiné ki ba chérubin au Moïse a zo dessiné ezaki na tina yango nde toko expliquer siko. Voile oyo ezaki na 4 couleurs. Yaki na 4 couleurs: pourpre, cramoisi, bleu et fin lin ou la couleur blanche. Et puis likolo ya voile ango ba dessinaki ba chérubin. Voile oyo ebandaki ko séparer bandai ko séparer donc les lieux saints na les lieux très saints. Or na kata lieux très saints eloko ezalaki kuna ezalaki arche. Arche nde ezalaki na kata lieux très saints. Mais voile oyo ebandaki ko empêcher bato
bako makote voile bandaki ko empêche bato bako makote arche ezalaki c'est pour dire que voile oyo ezalaki toute une barrière zomona ezalaki toute une barrière qui empêche bato bayeba komona oyo ezalaki arche c'était toute une barrière qui empêchait bato bamona arche ezalaki séparateur. Voilà, ok. Motoro utilisé bien en Guana. Il y a tout un séparateur entre où il y a arche na peuple. Hein? Voilà, il y a tout un séparateur entre arche na peuple. Or, na katalie très saint, nesika nzamba zalaki. Hein? Nzamba zalaki, na katalie très saint. Ndeska mungongo ya nzambe ebande kobima likolo ya arche de l'alliance. Ok, mais tozomona rideau moko ya 4 couleurs et puis ba dessiner ba cherubin likolo na yango eza ko empêcher bato bakende na tabernacle bakende na arche. N'oubliez pas, arche wana ezalaka nde trône ya nzambe c'est quand Nzambe abanda kokita c'est là où Dieu parlait abanda ba likolo ya trône wana. Que le Seigneur nous bénisse. Tolobi ke voile oyo e symbolisaka la loi, voile oyo symbolisaka mobeko, voile oyo symbolise mobeko. D'ailleurs la Bible ezoloba ke jusqu'à présent basalaka lecture ya mobeko voile moko ebwakamaka na elongi na bango. Là je crois c'est dans 2 Corinthiens. C'est pour dire que quand on parle du voile, on voit la loi. C'est pour dire que la loi est là qui séparateur. Oui, bande ko séparer Nzambe na bato. Mobeko est là qui séparateur mobimba. Oui, a séparé qui Nzambe na bato. Donc la loi empêchait l'homme à qui ne pas Nzambe. La loi empêchait l'homme à mon Nzambe. Et on te dit que toujours le baquet, moi ya malam ya ko utiliser, ezake voile o ezalaki tout un séparateur, oye bande ko séparer batu na nzambe. Zomona, voile ki tout un séparateur. Na to bi ke mobeko ezalaka tout un séparateur, oye séparaka mutu na nzambe parce que l'enseignement de la loi et quoi ko permettre te mutu mo na nzambe, l'enseignement de la loi et bande ko séparer mutu na nzambe. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop d'attention avec les enseignements. Un mauvais enseignement, c'est tout un séparateur entre l'homme et Dieu. Un mauvais enseignement est que sangisa mutuna nzambe, mais un mauvais enseignement est que séparer mutuna nzambe. Quel Seigneur nous bénisse. Enseignement ya malamu sangisa kanzambe na mutu, mais enseignement ya mabe et kabola kanzambe na mutu. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop d'attention. Nous devons prier pour nos ministres, pour nos prédicateurs, afin que tant que nous avons un repos à côté, nous avons une philosophie, mais nous avons une licanissia seco, licanissia nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons une voile qui est en combien de couleurs? Voile qui est en 4 couleurs. Nous avons une les 4 couleurs oyo et bandaki ko parler likolo ya nzambe yemoko. Vous voyez? Parce que la loi et lobela mutu mususu te, la loi et lobela nzambe yemoko. Tozo pesa écriture moko pour confirmer que la loi et lobela ka nzambe. Tozo na mukanda ya Jean chapitre na yango 1 tozwi verset na yango 45, Jean 1, 45. Philippe raconta Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. C'est pour dire que quand Moïse a bandé kokoma na mobeko, c'est pour dire que la loi parlait de Jésus, parlait de Christ. Voilà pourquoi toutes ces 4 couleurs résolvent l'obélandé le Seigneur Yemoko. Ah, ok. Quand on voit la couleur pourpre, pourpre, c'est l'ambaba konzi balataka. C'est pour dire que nakata couleur pourpre, c'est l'amba yabakonzi. Ici, nous voyons la royauté. C'est ça,
zotalisa biso Jésus comme fils de David. Tango tozomona cramoisi, cramoisi eza rouge ya makasi pour prepeza rouge mais rouge moko faible. Oba konzibalataka, mais tandis que cramoisi eza ka rouge ya makila, rouge du sang, rouge ya makasi. Ici nous voyons le sang, nous voyons les sacrifices. Directement nous voyons Jésus comme fils de qui? D'Abraham. Pour Jésus comme fils d'Abraham, il y a un sacrifice. Vous remarquez, Abraham a été sacrifié, moi, nana et Isaac, l'école tout melo. Hein? Nous avons Abraham, nous avons Isaac. Ici, Abraham, c'est le sacrificateur. Isaac, c'est le sacrifice. Moni, tant au mona, awa, Jésus comme fils d'Abraham, tout au mona, Jésus comme le sacrifice qui devait mourir et ressusciter pour nous sauver. Quand on voit la couleur bleue, là on voit le ciel. Directement, quand on voit le ciel, tout le monde en Zambé et Moko, notre Père qui est au ciel. Directement, là nous voyons les fils de Dieu. Tandis que quand on voit la couleur blanche, là nous voyons l'homme, la face de l'homme, le fils de l'homme. Il y a quelqu'un qui de vous me convaincra du péché, un homme saint qui n'a point de péché. Il y a un autre qui est la loi parlée de Jésus. Hein? Toutes ces quatre couleurs annonçaient un seul homme. Toutes ces quatre couleurs annonçaient que le Seigneur Jésus. Il y a un autre qui est Mobeko Ndenge Zalagawana et Lobela Yesu. Mobeko et Lobela Moutouté. Nyonso et Lobela, le Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit loué et qu'il nous bénisse. Quand tu as mon acquis, tu as voile moko. Mais voile yango eza ndeko empêché eza séparateur moye batuba ki ndeko mona nzambe hein eza te parce que voile ezala ki wana eza ko empêché mais tant où Jésus azo kufa landa bien nazongi l'écriture pour avoir la précision po yeso azo kufa bo voile e pasuka mais en soko moni yango ezo malokola eloko moko hein eza na tina te mais koma yeso kufa voile parce que pour événement ya liboso bazoloba et voici le voile du temple se déchira en deux. C'est pour dire que tant yeso kufa événement et loko liboso c'était pour déchirer le voile. C'est pour dire que tiye so kufa ne koloso wana ya ginde po voile ezala déchirer. Ya on tobi que voile là c'est l'enseignement de la loi. Ozo mona mais komona na voile yango bazo tia ba chérubin ba dessiner ba chérubin na voile. Ah ici, tokoloba boye, que ce soit le voile, que ce soit ces quatre couleurs, que ce soit les chérubins, bango nyonso bazala ki na mission moko, leur mission, c'était quoi? C'était d'empêcher, de séparer l'homme nanzambe. Que le Seigneur bénisse. Yango tobi que quatre couleurs, oyo ebandaka ko annoncer, hein? Quatre couleurs bandaka ko annoncer les quatre faces totales ici wana. Quatre couleurs. Banda ko annoncé le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils d'Abraham, le fils de David. Banda ko annoncé bongo. C'est pour dire que la loi et banda ki ko annoncé makambo le Seigneur a kosala. Mais na ombre biloko nyonso la ki wana pour séparer l'homme de Dieu. Yango to komona ba chérubin. Que le Seigneur bénisse. Ba dessiner ba chérubin. Ba cheli biso ba chérubin. Na rideau. C'est pour dire que et les rideaux et les chérubins bangono so bazalaki na musala moko leur travail c'était d'empêcher hein c'est leur travail c'était de séparer Dieu et l'homme ou d'empêcher l'homme d'aller dans la présence de Dieu mais le Seigneur azokufa enfin que rideau et pasuka ba chérubin balongwa d'autant que zomona ba tie ba chérubin na rideau. Et au tel, il s'appelle que, ba chérubin, ba banda qui peut jouer le rôle, il y a qu'on séparer le peuple dans Zambé, ba banda qui peut jouer rôle. Donc, c'est pour dire que ba chérubin, comme des gardiens, il ne permettait pas à l'homme à s'approcher na face en Zambé, à s'approcher na vie, à s'approcher na trône en Zambé. Que le Seigneur le bénisse. Et l'okoyo, Salomon, azo sa la vie en wap. Salomon, j'en ai quelque part. Salomon, c'est là qu'on n'a pas embarqué. Bien que tant nous avons besoin de révéler par Salomon en vérité, nous avons besoin de répéter l'eau qu'on a salé qui n'est d'en.
Ridoyu. Et ça, la répétition, le Kunzamba, ça, là, qui n'est den. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 24. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Ok. Awa, baota l'isabiso ba chérubin. Zomona. Awa, baota l'isabiso ba chérubin. Mais, Moussa na bango zala kinin. Moussa na bango zala ki. Atie bango na. S'il vous plaît. Atie ba chérubin ke. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il y mit à l'orient du jardin d'Eden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Awa tomoni ba chérubin. Leur travail c'était quoi? C'était de garder l'arbre de vie. Mais, na de chronique 3.14, kuna tomoni, voile, moussala na voile, ezala kinini, ko separe, arche, nabatu. Zomona, ko separe, arche, nabatu. Nous avons compris, que ce soit les chérubins, que ce soit les voiles, bango nyon soubande ko jouer rôle moko. Il y a séparation, il y a regarder, enfin que Moutou a poussé en athée, que le Seigneur nous bénisse. Bah, nous, ça là, même travail. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bah, ça là, même travail. Ah, so, bah, ça là, même travail. Donc, vous allez en sonité à Kolobake, l'arbre de vie, ou bah, n'est qu'au garder, na arche, et ça est là, comme quoi. L'arbre de vie, na arche, ou bah, garder, et ça là, qui est là, comme quoi. Par là, nous comprenons que la vie, dans l'ancienne alliance, et ça là, quitter. La vie était privée et ils allaient quitter l'ancienne alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, bah, je vais aussi expliquer voile haut, premièrement, et autres talisanines. Voile haut et voile haut, c'est l'enseignement de la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, bah, chérubin, oh, parce que tout le monde a voile. Tout le monde peut, bah, chérubin. Il y a un autre mot, bah, chérubin haut, oh, bah, ça n'a épée. Oh, moussa n'a pas eu, bah, empêcher moutou. A kende ko simba arbre de vie. Ezanin. Pour quand le Seigneur a zokoufa, tant on voit les eaux longues, c'est pour dire que, et pas souki, c'est pour dire que, bah, chéribe, ou bah, t'as la kinanzela, bah, salini, bah, longue. Tozo lo bananou boye, na aspect aliboso, yambo, to kende, na makambo mousousou, bah, chéribe, oyo, bah, représenta kananou nzambe ye moko. Ah? Bah, chéribe, oyo, na aspect aliboso, Tolobi bazo représenter na nzambe ye moko. Pourquoi Tolobi ke bazo représenter nzambe ye moko? Parce que ils étaient là pour garder. Omoni, bazala ki wana pour garder, bazala ki wana pour veiller. Yango Tolobi bazo représenter na nzambe ye moko. Psaume 127 verset 1. Psaume 127 verset 1, cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel est garde de la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous avons compris que véritable chérubin, ils ont un zambé. Chérubin Liboso, ils ont un zambé. Ils ont un ange moko boete, ils ont un zambé. Ah, voilà pourquoi, quand tout le monde a un chérubin, ou un simbi épée, et un moto, pour lui épée flamboyante, épée ou ils ont un moto, c'est pour dire que un chérubin, ou un empêcher moutou, kokende ko simba. Arbre de vie et tal, ça nous a meillé moko. C'est pour dire que quand l'homme avait péché, Dieu était devenu l'ennemi de l'homme. Yango, frère Paul Azoloba, Namukanda ya Romain, lorsque nous étions ennemis avec Dieu, mais maintenant nous sommes réconciliés avec lui par Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois, frère Paul, Moutou, Azoloba, Elokoana. Ok, Romains chapitre 5, verset 16. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ici, tout le monde a, frère Paul, l'autre, c'est que toi là qui est ennemi, après le péché. Il y a un truc qui est chérubé, ou il y a un le bosso, nzambé, mon cousin, pour dire que l'homme, après avoir péché, Nzamba koma kenemi ya mutu, Dieu lui-même a tellement qui pour priver à l'homme la vie, a pimé la mutu vie. Hein? Pour empêcher l'homme à sa vie.
Or, l'épée flamboyante est Zanin. L'épée, selon Ephésiens, frère Paul a dit, revêtez-vous des armes. L'épée qui est la parole de Dieu. C'est pour dire que l'épée, c'est la parole. Mais l'épée flamboyante, Oyo, est la parole Yamoto. Or, l'effet est allé à quoi? L'effet est allé à le jugement. L'effet est allé à le jugement. L'effet est allé à la colère. Vous voyez? L'effet est allé à le jugement. L'effet est allé à la colère. Nous avons compris que nous avons loko la chérubin. Épée à moto, c'est ça la parole du jugement. La parole de la colère. Ah, nous avons compris que l'épée à moto, c'est la loi. C'est pour dire que Nzambe yemoko loko la chérubin azalakina épée à moto. Épée à moto, nous sommes comme l'enseignement de la loi. Un enseignement qui condamne. Un enseignement de la colère. Oye kouka ki ko empêche, ko pe sabatou vite. Benda kinde ko empêche vie. Le peuple, ba kouka ki ko zwa vite, nanzela, ya enseignement wana. Kele se nous bénisse. Ya ontobi ke nasen alliance, la vie est à la quitter. Sontoba que la vie est à la quitter, c'est trop dire. La vie était là, mais l'épée flamboyante empêchait les gens. Donc, à l'épée flamboyante, ou na voile, et ça est loko moko. Donc, bande qu'on empêchait batou, baki ne kozo vie. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce que l'équipe là, souana, épée qu'on frappe yo, tu vas mourir. Épée à moto. Donc, ce que l'équipe là, épée à moto, et qu'on frappe yo, puis au koufa. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire que tant que nous avons ba chérubé ba telemna épée à moto et tel ça tout simplement pour ba longwa wana nécessairement une personne devait être frappée mutumoko faut azala frapper mutumoko akufa afin que bango ba longwa pour nzela wana koma libre. Merci Seigneur parce que tout monde à la croix de Golgotha les Seigneurs raison dit ma que épée à moto est frappée. Or nous avons dit que l'épée à moto c'est ça la parole de la colère. La parole du jugement, c'est ça la loi qui avait frappé le Seigneur à la croix de Golgotha. Tant que vous frappez, tout le monde a épée zolongwa msa na zolongwa, ba chérubé ba zolongwa, nzelotika la vide, enfin que tu simba l'arbre de vie, tu consommes l'arbre de vie, pour que tu sois vie. Que le Seigneur nous bénisse. Liboso te expliquer nous ba chérubé oyo, loko la nzambe yemoko. Que le Seigneur nous bénisse. Ba chérubin ou tout à ce moment on a la nzambe yemoko na sen alliance wane zaspe na aspe mususu ba chérubin ou parce que n'oubliez pas na aspe mususu ba chérubin ou badala ki ba serviteur. C'est pour dire que nzamba tia ki ba serviteur na epe a moto moussala na bongo badala ki nango c'était pour empêcher donc on va tourner c'était pour empêcher afin que moutou akende ko simba nini te l'arbre de vie, que le Seigneur bénisse. Na aspect mususu ba chérubin oyo bazana épée à moto pour protéger l'arche, pour protéger l'arbre de vie et tal sa rappel ba serviteur nyonso ya tongo. Tous les serviteurs ba travaillent qui na tongo bazape ba chérubin. C'est pour dire que baza ba serviteur bazala qui ba pro attention. Et pe bazala ki na yango c'est la loi. C'est pour dire que pendant qu'il utilisait la loi, il ne savait pas que mobeko bazala yango ebandai ko empêcher batu bazwa vie. Que le Seigneur bénisse. Donc épée bazala ki nango c'était pour empêcher le peuple baeba na kozwa vie. D'autres expliquer na ba chérubin ozala na nzambe yemoko ozala na protecteur ya vie. Que le Seigneur bénisse. N'a pas mis balé n'est total ça que ba chérubin baza pe type ba sali non soya tongo ou baza ki na parole hein ya moto qui est la loi la cérémonie de la loi pour empêcher le peuple afin que baye bana kozwa vite. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. OK, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pour lelo tant que toya lelo to zone di mape que un ministre de la parole c'est aussi un chérubin hein. Un ministre de la parole c'est aussi un chérubin. Un ministre de la parole a la paix chérubin. Cela veut dire c'est un protecteur. Oui, Zawana, pour protéger l'enseignement. Hein? L'arbre de conscience de la vie comme l'enseignement, comme la saine doctrine. Comme l'enseignement, comme la saine doctrine.
Nazu ba chérubin comme ba ministre et PO ba simbi, c'est aussi l'enseignement. Zomona, c'est aussi l'enseignement. L'enseignement est moto, c'est pour dire que l'enseignement de l'esprit. Attention, hein, ils ont ba facette. Le nom aussi ba chérubin, on appelle aspect Moussous comme le ministre de l'évangile. Oyo, et PO ba simbi, c'est l'enseignement. Mais moto, c'est l'esprit. C'est pour dire que c'est l'enseignement de l'esprit. C'est l'enseignement révélé, tout le monde va battre la qualité et l'anzela à l'itéa. La similaire de conscience de la vie, comme l'enseignement, c'est pour dire que le ministre va battre la qualité et l'anzela à l'itéa. Va défendre la qualité et l'anzela à l'itéa. L'anzela à la théologie, l'anzela à la philosophie, l'anzela à la mécanicité. On défend l'enseignement par l'enseignement. Ton dimela l'itéa. Non seulement pour tout bomba, mais ton dimela lycée, enfin, il y a qu'au bout de la yango. Donc, un bon ministre, c'est celui qui garde l'enseignement. Vous voyez, un bon ministre, c'est tout un chérubin protecteur. Il veille sur l'enseignement, afin que l'enseignement soit falsifié. Ministre Nzambe à solo, moté Nzambe à solo, a ko benga n'importe qui te pon na ba connexion pour le lokoma lelo a benga muta hotel église ne po yibike mutuana azaka n'église a munene na benga hotel église nanga yepe na tour na ye a ko benga ngai na hotel église na ye wana ko makamba ba cop aya ko hotel église na ngai nga pe na ko hotel n'église na ye sans tenir compte état d'âme aza la magicien ou sorcier état lié te lui son problème aya te na ye ngai pe na ko hotel église na ye. En tout cas, ça c'est un faux serviteur. C'est un faux ministre. Un bon ministre doit veiller. Kobenga mtoua kote eza mabete. Mais to kobenga mtoua kote a par rapport ya grâce en zambe katinae, aya pour édifier le peuple. Parce que un prédicateur sorcier, un prédicateur magicien, quand il va venir pour prêcher, c'est pour envoûter le peuple. Mais le lo batebele, ba na posa ba connexion, ba na posa ba relation, ba na posa ba voyage, il peut appeler n'importe qui. Aya côté, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est des relations. Non. Un bon ministre a un chérubin qui veille sur le peuple et qui veille sur la Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Nazongi n'aspect à côté de ça. Que ba chérubin oyo. Nazongi n'aspect, deuxième aspect. Premier aspect, n'expliquer ba chérubin le kola l'anzambe yemoko. Deuxième aspect, n'expliquer ba chérubin comme tous les serviteurs à Sainte Alliance. Troisième aspect, on a expliqué Bachéribien comme le ministre de l'Évangile. Nazongi na deuxième aspect. Na deuxième aspect, Nazongi na Bachéribien, oh, comme tous les serviteurs à Tongo, comme tous les prédicateurs de la loi, épée, oh, yo basalela qui épée flamboyante, c'est ça la parole du fait, la parole de la colère, la parole du jugement, c'est ça la loi. Omoni, c'est ça la loi, oh, ezala ki wana pour empêcher Namutu. Aye bakozonga to akino simba l'arbre de vie. Mais quand le Seigneur a koufa nekulusu, mobeko ezo frappe ye ba chérubin ba sali nini balongwe. Kulungwa ba chérubin. Eyo tali saki ba sali nyo swa tongo. Bazali susute. Mobeko yali susute. Donc la mort de Jésus et ça la ke voile za la déchirer. Donc ko déchirer voile. C'est ça là, ce que la Bible dit, que Christ est la fin de la loi. Moni, Christ a soukabolo. Mobeko zo frappe yé ne koulousou, afin que mobeko wana ezala li soussouté. Mobeko zo frappe ne koulousou, c'est ça Christ qui accomplit la loi na katanzo tonae, afin que mobeko ezala li soussouté. On trouve que lelo, ba chéribe ba za soussouté, comme ba serviteur non sa tongo ba el soussouté, parce que l'épée flamboyante frappa qui le Seigneur à la croix de Golgotha. Personne a croire qu'on dit que Mopanga en ebetae, te moutou mota qui n'a makoki et Mopanga en ebetae, il n'a que le Seigneur qui était capable de Mopanga en frapper. Mopanga en frapper, ma chérie Beba Longwe, l'épée formée de Longwe, aujourd'hui nous avons l'accès à toucher l'arbre de vie, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons la vie aujourd'hui. Il y a encore remarqué quand le Seigneur nous couvre, voit les autres pasuka, parce qu'il n'a voit les autres pasuka. Ba chérubin bazala ki wana ba dessina ba chérubin. C'est pour temps on a voit les autres parce que c'est pour dire que l'enseignement de la loi est longué ba chérubin pe ba longué. Moni, l'enseignement de la loi est longué ba chérubin ba longué. Nous avons compris que les lieux très saints, c'est ça le jardin d'Éden. Moni,
te comprendre que les liens très saints, où tout le monde a voile, n'a pas chérubin, c'est ça le jardin d'Eden. Il y a tout le monde qui, avant la mort de Jésus, voit les Alaki. Le jardin d'Eden, c'est là qui barricardé, c'est là qui libanda. Personne, à quoi que soit l'arbre de vie, personne, à quoi que soit vie, à quoi que zonga, mais la mort du Seigneur, c'est là qui voit les Alaki déchirer, bah chérubin, bah longwe, mobe que longwe, oh gloire au Seigneur, aujourd'hui, nous avons la capacité à cause de vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la vie. Parce que l'arbre de vie, où est-ce là qui n'a qu'à tchikuna, tout l'arche, nous sommes comme la révélation qui était cachée, n'a qu'à tchikou, le tout seul, n'a nanzela, yalitea, que le Seigneur soit béni. Bible le bique, voile se déchira qui banda li kolotinase. Moni, voile se déchira qui d'en haut à bas. Et précisez bien. Balobite que d'abat à haute. Balobite que voile se déchira qui d'en haut à bas. Or, quand on voit le haut, l'icolo, tout le monde en zambé. Quand on voit la terre, tout le monde en moutou. Parce que de haut à bas, j'ai tali sa kère. Moutou moko a zalaki na a na mabele. Moutou ko passo la voile ou ana zalaki te. Yangwe passo kika na l'icolo ki ti na se. C'est pour dire que quand zambé ne a zalaki na makoki, yako longo la mobeko. Ta yemoko mutapesa ki mobeko, yemoko ndazigi na makoki ya kolongo la mobeko. Voilà pourquoi tu zomona uzo banda kopasuka na likolo, we kitana se. Se pou di ke nzambe nde mutazo longo la mobeko, nzambe nde mutazo ko deshire, ke le seno benis. Donc, azo banda kopasuka longo na likolo, azo kitana se. Se pou di ke aucun homme n'était capable de déchirer la loi. Aucun homme n'était capable yako pasola menzambe ndaza laki na makoki yako pasola que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi Samson akokuta na na lion. N'oubliez pas que les lions tuent, hein? Les lions c'était un animal colérique, aza nyama ya kanda, nyama moko sekisakate, un tueur, un verseur de sang abomaka. Mais Samson ko déchiré, tant Samson zo déchiré lion. Na katia lion nde miel e bimi. Tolo bake, lion oyo na voile, ezaka eloko moko. Lion oyo nepe flamboyante, ezaka eloko moko. Mais Samson, oya zoya, pour déchirer le lion, c'est le Seigneur Jésus. Oya zoya, pour mettre fin à la loi, que le Seigneur nous bénisse. Azoya pour mettre fin na mobeko, parce que, vous pouvez remarquer, Samson, il faut qu'il n'est pas moi si moko, mais vous remarquez que lion a zo empêché, lion a zo qui tout un séparateur, a zo séparé Samson na moi si wana. A l'unité Samson qui ndekuna, mais Samson il faut boma lion. Tozo bakè, lion oyo c'est la loi. Tant wako boma e na katine nde miel zobima. Miel onde c'est ça l'arche. Miel ou c'est ça aussi l'arbre de vie. Que le Seigneur nous bénisse. Mais mutu moko taza la ki na makoki ko boma e. Sauf le Seigneur lui-même. N'oubliez pas que Samson, c'est la signification combo na et tel le sacré soleil. Or, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas aussi que Samson a zala qui n'a tribu à Dan. Or, Dan, c'est tout un juge. Ah, c'est pour dire que Nzambe a tchaki mobeko, yemo comme le véritable juge, et Seigneur la kaya pour mettre fin à mobeko, afin que nous ayons la vie. Aujourd'hui, la vie aux Alaki cachée na kati. Tu le dis que miel na kati lion, c'est ça aussi l'arbre de vie, c'est ça aussi l'arche. Mais le Seigneur n'a pas cela. Et on toujours répété que tant que nous passons de haut à bas, c'est pour dire que mutu moko ta zalaka na makoki na mabele ko pasola yango. Ceux qui makoki zalaka, tu ne pas pasola yango, mais makoki zalaka te. Aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun psalmiste, mutu moko te aki na makoki. Yango ba koloba ke mongo ganga qui était digne de prendre le livre et de rompre ses sceaux. Aucune personne. Mais koloba ke voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or l'agneau de Dieu, ezaka le Seigneur yemoko wazo quitter na ciel pour déchirer les voiles. Ako pasolango ko bandana likolo tia ko kitana se. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu yamba Yesu te poto za la ba fanatique ya batu. Tu yamba Yesu te poto comme ba disciple ya batu. Mais tu yamba Yesu pour être les disciples de Jésus. Tu yamba Yesu pour être des chrétiens.
nous devons condamner le mal tondima malamu et condamner le mal parce que le nakata l'église tu remarquer ba ministre belé bazo former sous ba disciple à Christ été bazo former sous ba chrétien été mais plusieurs ministres aujourd'hui ba comme ko former ba petit mokofia na bango ba comme ko former ba fanatique na bango ouais ba côté la kabango ata ministre zo ko na ki ndumba ndenga lingi ba côté la kaye ata ministre zo changer ba fiancé na kat église ndenga lingi le autre qui na seroyo lo bazu serwana lo bazu serwana kuna lo bazu serwana mutokolo beloko azate comprendre mbala moko ke asa former ba fanatique na ye ba côté la kaye. Attention, il y a plusieurs ensembles aujourd'hui auto yebina kat Kinshasa a ah au monde penda na kat assemblée wana ministre azana 5 serres oya bimakana bango ba tupe ba yebi na kat église me ba longorate ba vanda ka wana be église a bongo mingi za mona passer azana ki ndoki azana misala mabe ya magie a mvuta batu ata bazo mona ki ndumba na ye ba mona makamune ya mabe ba vanda ka bongo. Mes frères et sœurs, tozala ka ba fanatique ya batute. Nous avons reçu Jésus pour tous les fanatiques qui ont battuté, mais pour être les fanatiques de pour être les fanatiques, si permettez le terme, bon, fanatiques dans la Bible, les athées, pour être les disciples, pour être les chrétiens, nous devons défendre la saine doctrine. Condamnons le mal, Tokumisa, Oyo, Esaïa Malam. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'avait la capacité de déchirer voile. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de déchirer voile. Il y a un peu de déchirer en haut, de haut, en bas. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis, il y a un peu de déchirer voile. Que le Seigneur nous bénisse. Dans la doctrine, le Seigneur a poussé cri. Voile les eaux déchirées. Kobo sanate que le Seigneur, c'est un prédicateur. En azunan yé soupe loko la motei, loko la ministre, poto ndima que Jésus a venu sur la terre, tous les cinq ministères, et se manifesta katinae. Luc 7:16, bazo benga enan, un grand prophète. Frère Pierre, bazo benga le grand pasteur. Hébreu, bazo benga le grand apôtre. Jean 3, Nicodème, bazo benga le grand docteur venu du ciel. Luc 8:1, et tout à l'heure, s'agissait comme l'évangéliste qui allait de lieu en lieu prêchant, guérissant les malades, annonçant les rois, c'est l'évangéliste. C'est pour dire que, avant, tous à la docteur, Yesu n'a pas le docteur à Mtaliboso. Avant, tous à la prophète, Yesu n'a pas le prophète à Liboso. Avant, tous à la autre chose à la, Yesu n'a pas le Nyosowana. Voilà pourquoi, le modèle parfait des docteurs, c'est Jésus. Le modèle parfait des prophètes, c'est Jésus. Le modèle parfait des apôtres, c'est Jésus. Les modèles parfaits des évangélistes, c'est Jésus. Les modèles parfaits des pasteurs, c'est Jésus. C'est lui qui est le modèle parfait que nous devons imiter. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est l'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Tant que nous Jésus, nous avons poussé cri. Rideux au pasuka. Ici, je prends aussi Jésus comme un prédicateur. C'est pour dire qu'un ministre doit pousser les cris. Le cri ici, c'est la prédication. C'est pour dire que pousser le cri, c'est prêcher. Lorsque nous prêchons, ils appellent voiler Pasuka. Or, voiler Pasuka, c'est ça l'enseignement, c'est ça la lettre. En azuran, voile Oyo, comme aussi les écritures. Où ils ont bomba, vina kati. Je prends ici les voiles comme les écritures, parce que vous sentez que ma commune, ils ont la voile Mobimba, où ils voient la vie. Hein? Bible nous tombe là dans ma commune na kati wana ezaka voile mobimba o vie batama na kati o nzamba batama na kati. Maintenant un ministre doit crier ko crier za litea. C'est pour dire que la prédication ya motei ya un ministre faisa na makokia ko déchirer ma commune afin que peuple aye bana ko mona vie o eza na kati. Un prédicateur ne peut pas répéter la lettre noire sur blanc. Un prédicateur doit interpréter, s'il vous plaît. Awa nazoloba makumye to limbola ezako banda Genèse ti Jean. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous remarquez, lorsque les apôtres prêchaient, bango bazaka na épître était les épîtres komami tant on va apôtre bakufi. Mais lorsque les apôtres prêchaient, bazaka na makumye ancienne alliance to tiakape Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nakata sena lance Galates 4:4, le Seigneur tenait sous la loi. Tochaka yango pekuna. C'est pour dire que makomio to limbola s'il vous plaît,
nandi makate ke les épîtres des apôtres que vous allez interpréter. Pour bisona ba apôtre tout dans la même dispensation, bisona ba apôtre tout dans la même période. Seulement il y a des mots difficiles qu'il faut expliquer. Mais que au bateau le bateau moni Paul tant basu bimise na kata kitunga na miruana pour baki misae, c'est ça les pains qui quitte Israël, parce que Paul n'a qu'à ta panier, c'est ça la nourriture, les pains qui quitte Israël pour aller chez les nations. T'es papa, on a sa philosophie. Ce qui est bon, on a interprété, mais Pitre, il faut interpréter toutes les. Donc, on a dit que le côté bolimbo la gnosso. Mais vous remarquez, place Moussouba Zopona, place Moussouba Sauté. L'acte des apôtres, d'ailleurs, n'aïlo comme Alam Tobengango, acte des apôtres, oui, Tobengango, paie l'acte du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agissait avec les apôtres. Et cet esprit, le Saint-Esprit continue jusqu'au jour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Le but est un prédicateur de l'esprit, un ministre du Saint-Esprit doit crier. Le cri, c'est la prédication. Quand il prêche, il faut tout le monde voir les se déchirer. Voir les autres se déchirer. Et ça, pour tout le monde vie, ou ils ont caché dans la katikuna. Pour crier, ça, pour interpréter ma commis. Il y a encore remarqué, le Seigneur, à côté de moi, il y a chemin maïs. À côté de moi, il y a un chemin maïs. Mais tant que je suis en train de faire un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Mais tant que je suis en train de faire un peu de temps, il y a un peu de temps. C'est pour dire que si le temps est le pain, il y a un peu de Jésus-Christ est voilé. Jésus-Christ est caché. Ah, nous avons l'hypo comme le voile. Aussi, nous avons le bongo. Jésus est caché. Mais il faut que le boucali, tant que le boucali en deux, nous tombons à Jésus. C'est pour dire que l'hypo est comme un balai. Or, l'épée, nous avons comme le voile, c'est la loi. Que le boucango a dit, c'est ça, à la loi et au témoignage. La lettre et l'explication, nous avons découvert Jésus. Nous insistons pour dire que nous avons posé la photo à Jésus. Parce que frère Paul a lobby. Si on connaissait Christ, c'est la chair. Aujourd'hui, nous ne connaissons personne, c'est la chair. Nous connaissons Christ, c'est l'esprit. Aujourd'hui, Christ, c'est la vie, c'est l'enseignement. Lorsque nous brisons les pains, voilà pourquoi monter, il faut que les boucalipa. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut que les boucalipa malam. C'est ça, à la loi et au témoignage. Tant que les boucalipa, il faut que les mis soient comme on a Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ceux qui s'appellent pour la colobaké, Kriwana est appelé l'osambo. Moi, je suis un homme qui a été nzambe nzambe. Attention mes frères et sœurs, les combats existent. Les combats existent. Nous devons être prudents, les combats existent. Pour la Bible, frère, pour la Bible, les combats existent. Moi, Nanzambe, il faut tellement m'accaster. Bisoto Bundakate, pour la Kolonga, mais nous sommes dans la victoire. Il faut s'élever dans la victoire. Plusieurs familles, il y en a pas voile, barrière, tu vas pas la rater. Bah j'aurai mis cela malam tête, bah kenda gali bosoté, bah koufaka na maladi moko, bah belaka maladi moko, bah on se baka na situation moko, bah tournaka sika moko. Non, il faut s'élever et crier. Tant qu'on tire ma kouganga, au moment on a voile et qu'on passe au cas, fait aucun de liboso. C'est pour dire que les liens très saints, c'est ça la gloire. Mais où ils a barricadé et c'est un ganga na kato sambu. Pe eko pasuka, oko traversé, pe oko mona, kembo na nzambe. Laisse que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Je crois, pour na lotu suki si wana, prochainement, toko ye bako continue, ba eleba msusu si etikali. S'il y a des questions, ba numéro na msusu zali, plus 243, 89, 800, s'il vous plaît, plus 243, 89, 860, 88, 75. Numéro M. Zali, plus 243, 99, 77, 88, s'il vous plaît. Plus 243, 99, 88, 77, 333. S'il a des questions, vous bien guise au bouton de répondre. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tokutani na mbala oyekoya par la grâce de Dieu.